on a placé ce collier là, juste ici, donc il va faire tenir ça, et après on va mettre les tuyaux. Là. Ah, qui coup de pied, c'est bon. Là. Celui qui est le plus dur. Hop. Bon tout le monde, alors ce que je dois faire là maintenant, donc déjà première chose, mon père il va ouvrir la vanne, donc pour donner passage à l'eau. Donc elle va venir ici, passer dans ce coude, passer dans ce tuyau, donc d'ailleurs qui va s'arrondir avec la pression de l'eau. Après, du coup avec le 845, il va aller finir les 10 tours qui restent sur la tourelle, enfin sur le sur la tourelle, et dès que ce coude là vous le verrez, dès que je le verrai ici, j'appellerai mon père donc pour lui dire il faut arrêter. Donc voilà, et puis après on ira ouvrir la pompe et ça sera tout pour cette vidéo. Voilà. Bon, je pense que vous n'avez peut-être jamais vu ce canon irrigation, donc notre canon d'irrigation bien sûr. Donc on l'a acheté il y a à peu près, voilà. Oula, c'est bon, 5 ans. Et normalement s'il y a une fuite c'est normal. Voilà. Donc il va le pousser. Et dès que le coude que je vous ai montré, dès que voilà, et qu'il arrive à peu près là, je dirais qu'il arrête. Mais que lorsque j'aurai terminé, lorsqu'il aura tout terminé. Voilà. Ça m'a surpris. Oh, oui, voilà, c'est normal, ça pue, ça l'a même fait l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, parce que il n'y a pas la pompe allumée encore. Bon allez, on se retrouve dès que il s'est déroulé. Bon, ça y est, il est totalement déroulé, il vient de revenir. Donc voilà, allez, on se retrouve à la pompe. Finalement, j'ai bien fait d'atelier de l'appel arrière et le godet, parce que normalement je devais faire du transport de terre, comme vous avez fait la dernière fois. Mon père il va prendre la débroussailleuse, donc la grosse débroussailleuse style qu'on a. Et après il va prendre l'arrosoir, un arrosoir. Et voilà, allez, on est parti. Mets de l'eau dedans.
Bon, je viens de terminer cette vidéo. J'espère que vous avez aimé quand on a posé un petit peu tout, donc les tuyaux, et puis après on a du coup amorcé. Enfin voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. Et voilà, allez, à tout le monde.